Il n'y a pas à rougir de ce score, c'est un très bon score. On a une belle marge de progression par rapport à 2017, à la fois en pourcentage et en nombre de voix. Et donc il y a eu un élan qui est de toute façon même départemental, régional et national pour le Rassemblement national. Donc nous on en est très satisfaits et ça augure du bon pour la suite. Et comme j'ai pu le dire hier soir en réaction au résultat, c'est que dans 5 ans, moi je vais me préparer pour pouvoir succéder à M. de Courson en 2027.